Salut tout le monde, c'est Chuck, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur Grounded pour une nouvelle vidéo. Et là, les gars, franchement, j'ai pas mal de trucs à vous dire et à faire. On va attaquer direct, les gars. Donc là, la dernière fois, on avait vu que les chrysalides, on pouvait les faire sécher. Donc là, ça y est, les gars. Vous avez vu, j'en ai fait sécher une partie. Donc plutôt pas mal. La dernière fois, vous avez vu, on avait cet effet la hache. Donc avec ça, on était plutôt tranquille. Là, je vais regarder au niveau de la bouffe. Au niveau de la bouffe, je suis pas mal, mais je vais le manger quand même. Sinon, il va périmer. Donc ça, voilà, ça, il va falloir qu'on aille l'analyser. Moi, ce que j'avais été faire, c'est que j'avais été vadrouiller pour essayer de trouver les petits scarabées comme ça. Comme vous voyez, je les ai pas trouvés. Donc, les cœurs de chrysalide à faire. J'ai le champignon là à analyser. Et j'ai les petits éclats de bois aussi à analyser. Donc, on va aller faire ça, les gars. On va se rendre chez notre ami Burgle pour analyser les trois trucs que j'ai pris sur moi. Comme ça, on va voir ce que ça va donner. Et après, on se barre, on se casse dans la nouvelle zone. Pour essayer de trouver justement... Petit scarabée et puis voir un petit peu ce que ça va ce qu'on va découvrir par la suite. Je pense pas rentrer dans la termitière tout de suite, les gars. Franchement, je pense pas tout de suite. Ah, faut que je regarde parce que comme la dernière fois c'est pareil, j'ai tué pas mal de cloportes. Donc est-ce que je pourrais pas me faire l'armure cloporte au lieu d'avoir l'armure... Attendez, j'ai quoi comme armure? Au lieu d'avoir l'armure fourmi noire, je préférais quand même avoir l'armure cloporte. Ouais. On va se faire ça au retour. Et après on partira, après on se cachera directement dans la nouvelle zone, les gars. Donc, alors, les analyses. Qu'est-ce qu'on va faire avec les éclats de bois? Des flèches en bois. Ah, ça peut être intéressant, ça. Ça peut être pas mal, les gars. Donc le champignon, là, je sais pas pourquoi il nous demande de l'analyser, mais bon. L'Élysée de champignons, j'en avais déjà. Ok, ça c'est bon. Et alors avec ça, on va pouvoir faire le marteau scarabée bœuf. Ah bon? Ah bah oui, ça les gars, je savais pas. Alors c'est le nouveau marteau que... Ouais bah ouais, nouvelle hache, nouveau marteau. Il faut que j'aille tuer un scarabée bœuf. Oh putain les gars, d'accord. Ok, donc juste deux petites secondes, je vais juste voir si... Oh, ça va quoi toi? Tranquille? Alors mon potos, bah écoute, je vais prendre, parce qu'il me faut un petit peu de, il me faut un peu de points. Au niveau des points de science, je pense que j'ai rien acheté. Tant qu'on est là, on va regarder. Collection étoile, échelle, livre, cachet, économie de bandage, base incurvé, recette de l'étang. Non, j'ai rien. Livre des recettes, non. Y a rien à débloquer ici. Et au niveau des chicots, j'en ai 5. 5 000 ou molars. Non, je vais les garder. Je vais les garder. Il n'y a pas non plus de quartzite. Donc, bah écoutez, on se casse, les gars. On se casse. Comme je vous ai dit, on retourne à la base. On se fait l'armure en cloporte. S'il n'est pas trop tard, on y va. Sinon, on va passer la nuit. On va passer la nuit, hein, directement. On va pas se casser la tête avec ça. Alors, les gars. Je sais pas si vous vous rappelez de ces petites lampes là. Maintenant, ils l'ont personnalisé. Du coup, vous voyez, vous pouvez changer la couleur. On peut changer la couleur, la luminosité. Donc, plutôt pas mal. Bah, tiens, on va mettre une petite ambiance tamisée. Donc, alors attendez. On va juste voir si on pouvait se la faire entièrement. Eh ben non. Corde en peluche. Et ça, j'ai pas la corde en peluche, les gars. Vous voyez, donc encore un nouveau truc à découvrir. Au niveau de là, ça, on peut le faire. Ok, on peut se faire la cuirasse déjà. Et les jambières, corde en plus. Ok, on peut juste faire la cuirasse. Donc on va rester en stuff cloport. En stuff, pardon. Fourmi noire. Et puis bah les gars, on va aller se casser. Hein. On va se casser. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans que j'aurais pas vu? Ah oui, flèche en bois. Duvet d'acarien domestique. Duvet d'acarien domestique. C'est pas le duvet d'acarien que j'ai récupéré la bombe? Duvet d'acarien domestique. Ok, c'est sur les petites bestioles que j'avais récupérées en bas. Ouais, c'est ça. Donc attendez. On va remettre ça là-dedans. Voilà, c'est ça, j'en ai pas besoin. Toi, peut-être là. Non, on va tirer là. Voilà. On va se prendre deux petits steaks, les gars. Et puis allez, c'est parti, les gars. On y va. C'est bon, les gars. On est arrivé dans la nouvelle zone. Donc bah écoutez, ce qu'on va essayer de se faire, c'est qu'on va essayer de se faire un scarabée bœuf.
Hein, je sais pas ce que vous en dites. Ça pourrait être sympathique. On va essayer de se faire ça tranquillement, les gars. J'ai bien dit, on va essayer. Donc là, ce que je vais essayer de faire aussi, c'est que je vais essayer de trouver le petit scarabée. Est-ce que sur la map, ce serait pas indiqué? Alors, c'est peut-être ça sur la map, je sais pas trop. Donc, ils disent qu'il y en aurait peut-être un par là. Donc, attendez. Si j'ai fait des flèches puantes, on va se mettre de la flèche puante dans le coin là. Et on va y aller tranquille, les gars. Donc, pareil, je vous reprends si je le vois. Parce que si je vous vois pas, ça risque d'être un peu long. Donc, voilà, je vais fouiller la zone, voir essayer de le trouver. Si je le vois, bah, je reprends la vidéo. Sinon, on se retrouve là-bas, les gars. À toute. Putain, il est les gars. Regardez. J'ai pas vu où il était parti. J'ai pas vu où il était parti où. Oh, il est là. Oh putain, les gars, j'ai de la chance. Oh là 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 là, j'ai eu de la chance, un truc de ouf. Putain. Eh bah, dis donc. Parfait. Parfait, parfait, parfait. C'est quoi ça là-bas? Attendez. C'est un scarabée bœuf. Ah ouais. Gardez la taille du truc. Regardez la taille du bordel. Il faut que j'aille l'affronter. Ok. Si t'arrives, t'excites pas, mon frère. Ah ouais, bon, attendez, déjà. On va se mettre un petit smoothie dans la tête. C'est plutôt cool. C'est bon, tu t'es calmé? Ouais, vite, hein, les gars, ça va être chaud. Ouais, bah ouais, ça commence déjà. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu l'as là. Elles sont chaudes à tuer. Tiens, voilà. Ah ouais, mais non, j'ai fait le fou. C'était pas pour elle ça. C'était pas pour elle. Bon, c'est pas grave, les gars. On va se remettre un petit smoothie dans la tête. 2, 3. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Donc bah écoutez, on va essayer de l'affronter, les gars. Je lui dis pas on va gagner, mais on va essayer de l'affronter. Là, je vais voir si j'ai... Non, c'est de la merde. Donc. Dégage. Dégage. Ils sont chiants de nous donner des petites couilles. Bon, les gars. Allez. On y va. Ok, maman des démons, elle fait mal. Oh, il m'a mis un coup de cul celui-là. Espèce de fou, va. Oh! D'accord, bon, bah ok. Ouais, je m'en doutais de toute façon. Je m'en doutais, les gars. Oh, il rigole pas celui-là. Donc, les gars, c'est bon, on est revenu, on va essayer de se le faire. On va essayer de se le faire, ce gros sac là. Vas-y, viens, mon gars. Allez, cours. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'a mis des toiles d'araignée là partout? Oh mais les gars, c'est pas gentil ça. Allez, mais tape, 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 tape. Attendez les gars, parce que j'ai l'autre qui est là, là, et je la vois pas. Voilà. Putain, mais elle me stun celle-là, je comprends pas. Voilà, dégage, c'est bon. Oh, tu vas dégager toi. C'est lui que je voulais, moi. Oh, c'est bon, les gars. Est-ce qu'on a tout bien ramassé? On a tout bien ramassé, c'est bon, les gars. Parfait. Donc, ça, j'en veux pas, t'es gentil. Hein bon. Ça, j'en voulais pas, t'es gentil. Eh ben, c'est parfait, ça. Ça, c'est parfait. Donc, par contre, on devait être pas au bon endroit. Attendez, les gars. Attendez. Il m'a donné combien de bouts? 3 morceaux, faut que j'en tue un deuxième. Pour pouvoir faire la petite masse, faut que j'en tue un deuxième. Par contre, on va se reprendre un petit peu de vie quand même, ça fait toujours plaisir. Allez, viens. Allez, viens, mon gros, allez, viens. Tu veux pas? T'es bloqué. Et vous allez voir, quand je vais arriver, il va se débloquer. Voilà, vous avez vu?
Putain, à chaque fois il me remet un coup. Alors que pourtant, je stoppe bien. Ok, là, il s'est pris un petit coup dans sa nuque. Ouais. T'aurais bien voulu m'encorner là, je pense. C'est bon, les gars. C'est parfait. Sur ce coup-là, on l'a fini. Sur ce coup-là, on l'a terminé, les gars. Eh, mais là-haut, il y a un analyseur, là. Je crois que là-haut, il y a un analyseur, les gars. Justement, ça m'arrange comme ça. On va aller analyser ça tout de suite. Voilà, il est là. Parfait. Tac. Nickel, ça. Il est là, celui-là. Donc, alors les gars. Ok, ça rapporte rien. On s'en fout. Et lui. Ça rapporte rien non plus. Et moi, j'ai pas le level. Bon, d'accord. Ah bah oui. Regardez, on a bien fait d'aller au gant. Amas de peluche. D'accord, nouvelle ressource, les gars. Putain, y en a là, je peux pas la récupérer. À moins que ce soit de la terre. D'accord. Ah bah, un petit point de chance là que j'avais pas vu. Gant de jardinage. Ok. Donc ça c'est pas mal aussi, ça c'est bon. Du coup. Donc les gars, c'est bon, on est de retour chez Burgle, donc j'ai pas recroisé de petits scarabées malheureusement, sinon vous l'auriez vu. Mais par contre j'ai récupéré pas mal de petits trucs. Donc ça, fallait qu'on l'analyse, donc on va l'analyser direct. Corde en peluche, ben voilà c'est ça qu'il nous fallait en fait. Niveau supérieur, ça va m'avoir débloqué quoi ça? Marteau, nanana, ouais ok, ça on avait déjà eu. Déverrouillage de la matière grise. Ouais, tout ça on avait. Hein. Ok, fais voir un petit peu. Niveau 12, niveau 13, c'est le marteau. Ok. D'accord. Et là je suis à combien? Bah je suis à fond en fait. D'accord. Bon. On va pas s'attarder là-dessus. De toute façon je suis full, donc pour le quartz, il faudra que je repasse. Donc là on va retourner à la maison les gars, direct. Alors regardez les gars, cette petite entrée là, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Donc, alors, on avait découvert pas mal de nouveaux trucs les gars. Donc déjà ça, voilà, ça c'est plutôt pas mal. Donc je pense qu'avec ça déjà, on va pouvoir se faire quelques flèches. Et les nouvelles en plus, donc ça c'est plutôt cool. On a récupéré ça aussi, on a récupéré ça, on a récupéré ça. La nouvelle matière, le scarabée bœuf aussi. Et là, on a 5 5 trucs comme ça. Ok, donc ça, je pense que ça, il va falloir le faire, le mettre à tisser. On va faire ça tout de suite, les gars. On va pas perdre de temps. Voilà, corde en peluche. Ah, 3 pour en faire 2. D'accord, et sur nous, c'est comment? 3 pour en faire 2. D'accord, donc je pensais que j'en avais un stock, mais en fait, non, j'ai pas de stock. Au niveau des nouvelles flèches. Les flèches T3. Ça coûte un. On y va. Mettre des fragments. Ouais, j'ai débloqué toutes les tous les trucs. Ok, on se fait 25 flèches comme ça. Donc là, on va regarder un petit peu. Au niveau des flèches, comment on est. Sinon, on en pose. Il est là. Eh ben, on a tout. Tac, nouveau marteau. Parfait. Ah, ça c'est cool. Voilà, on s'est fait du nouveau stuff, les gars. Plutôt sympa. Il est où celui-là? Celui-là, on va pouvoir le ranger direct. Hop, hop, tac, tac. Inventaire. Ah, bah, de toute façon, ouais, c'est vrai que je les équipe pas trop. Oh, il est violent le truc. Ah ouais. Ah ouais, il est vénère le truc. Il est quand même assez vénère. Donc, non, bah, je pense que je vais pas le. Comment dire? Retirer. Je vais pas pouvoir non plus le. Comment? L'upgrade tout de suite. Donc, on sera. Je l'améliorerai plus tard, je pense, les gars. Mais là, voilà. Là, déjà, on a vu que. Ah, bah, non, j'ai que 5 trucs comme ça.
Ah oui, c'est ça que je voulais voir. C'était pour l'amélioration. On peut pas toujours pas faire des... Non. Non. Donc il me faut la prochaine puce Burgle. La prochaine puce Burgle qui est, quand on regarde la map, qui est ici. Voilà. Donc il faudra aller se taper les fourmis. Les fourmis... Ah, comment ça s'appelle? Pas les fourmis, mais les termites. Il faudra qu'on aille se taper le boss termite pour pouvoir faire tout ça, je pense. Ah bah non, cordon peluche 5. Là, j'ai de quoi en faire combien? Pas beaucoup, je crois. 3, c'était 2. Ouais, non, j'arrête pas de quoi faire le... Non, pas pour l'instant en tout cas. Et ça? Celui-là, je peux me le faire. Donc, bah écoutez, celui-là. Cuirasse de cloporte. On va se la faire direct. Et jambière de cloporte. Il me faut 6 cordes. Ah non, ça va pas être possible. Par contre, en niveau de... au niveau des comment? Des bouts d'insectes. On a ce qu'il faut. Ouais, on a ce qu'il faut. Par contre, il va falloir que je refasse des cuirs de chrysalide. Qu'est-ce que j'en ai? Ah, j'en ai plus qu'une. Ah merde. D'accord. Donc ça, il va falloir que je retourne en chercher aussi, tu vois. Ça, il va falloir aller en chercher, les gars. Des cuirs de chrysalide et tout. Donc, bah écoutez, on se fera ça dans une prochaine vidéo. Donc, bah laissez-moi des messages dans les commentaires si vous avez kiffé. Et puis, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Donc, bah portez-vous bien. Ciao, bye tout le monde.